Bonjour à tous, donc je vous retrouve comme convenu dans une nouvelle vidéo que je filme aujourd'hui avec mon portable pour aller plus vite hein, parce que je pense que ça va être suffisant pour vous montrer en détail et plus pratique aussi. Donc voilà, vous ne me verrez pas aujourd'hui, ouf, rassurez-vous, vous ne verrez que mes étagères. J'avais décidé de vous montrer un petit peu comment elles étaient, ce que j'y avais mis et comment j'avais obtenu un petit peu tout ça. C'est souvent des cadeaux. Des cadeaux d'anniversaire, des surprises, des choses aussi que j'ai acquises par moi-même. Donc je vais vous montrer, on est parti. Donc en haut c'est une petite figurine pop Gizmo, hein, vous l'aurez reconnue. Voilà, donc ça c'est le cadeau d'une amie. Donc je l'ai mis ici. Donc on commence avec les premiers DVD qui sont les plus anciens. Hein. Je pense que tout le monde n'a pas connu ça. Donc ça c'est la série Le Caméléon, hein. Certains de mes contacts savent très très bien de quoi je parle puisque c'est avec cette série que j'ai fait mes débuts sur les forums internet et j'ai rencontré des gens excellents et super, donc je garde toujours contact. Donc voilà, c'était une de mes premières séries dont j'ai été accro. Donc ici on a toutes les saisons plus les téléfilms. À côté, nous avons la série Flash, mais non, la série des années 90. Hein. Je ne sais pas si certains d'entre vous en rappelez. C'est une série assez ancienne. Et donc, ce qu'il faut savoir, peut-être que vous le savez sûrement d'ailleurs, c'est que l'acteur principal donc, qui joue Flash dans cette série est le père de Barry Allen dans la série qui passe actuellement. Donc voilà, c'est le petit clin d'œil. À côté, vous avez la série de la quatrième dimension. Hein, donc, je vous rassure que moi-même, je n'ai pas connu. Mais que j'ai redécouvert avec ces DVD que je trouve vraiment, vraiment très très bien. Donc un petit Snoopy à côté pour tenir. Un petit Tsum Tsum Olaf, voilà, que je trouve trop trop mimi. Juste à côté, il y a une grande figurine Dragon Ball, la version Saiyan. Vous avez Sangoku en version Saiyan. Sangoku petit et Sangohan à côté. Donc la grande statue, je l'ai gagnée à un jeu Micromania. Donc voilà, j'étais contente. Avec un seul billet, j'ai gagné, c'était le gros lot. Et les deux petites statuettes viennent du Japon. Ce sont deux cadeaux qu'on m'a fait parvenir du Japon. Donc voilà, je les ai mises là parce que voilà, je trouvais que ça... Comme on enchaînait sur les super-héros, je me suis dit que c'était plutôt pas mal. Donc ensuite, on passe au coin libre et BD. Donc je vais vous montrer ça sans essayer de faire le reste. Hein. Donc ici, nous avons le numéro 0 de l'Intrépide, qui est un cadeau de Marcus, qui m'a fait parvenir chez moi, qui m'a envoyé en cadeau. J'étais très très contente, voilà, avec une petite dédicace. Donc ça c'est le numéro 0, et j'étais vraiment vraiment contente qu'il me l'ait envoyé. Ça m'a fait très très plaisir. Là, bien sûr, nous avons le numéro 1, qui est ici. Ici, nous avons le superbe livre donc, que vous devez sûrement connaître. C'est le livre du Nem Kosho, donc de Hervé, qui a fait un magnifique livre sur les jeux de société de notre enfance, avec la préface de Marcus. C'est un livre que je vous conseille vraiment. Il est magnifique. Il est aux éditions hors collection. Donc c'est un livre vraiment génial. Et là aussi, il est dédicacé par tous mes copains. Donc il est dédicacé par Marcus, par Hervé et par tous les copains et la famille qui font partie du livre et qui font un petit peu partie aussi de tous mes potes. Et je suis contente d'avoir ce livre avec toutes les dédicaces. Voilà, je trouve que ça fait vraiment un superbe cadeau. Je continue donc ici donc avec les deux livres de Marcus. Donc pareil, hein, il y a deux volumes. Hein, donc le premier qui est les jeux vidéo des années 70 à 80 et le second qui est les jeux vidéo des années 90 aux années 2000. Donc les deux sont aussi aux éditions hors collection. Et donc là pareil, hein, j'ai ma petite dédicace à chaque fois. Et donc c'est un livre vraiment très très bien fait,
Certains disent qu'il comporte quelques erreurs, mais justement, si vous êtes connaisseur, vous saurez très très vite les repérer. Donc il va vraiment dans l'ordre des consoles et de leur date de sortie et de leur histoire. Donc franchement, ce sont deux livres à posséder si vous êtes passionné de jeux vidéo. Je suis là descendue à la ligne du dessous. Donc là, c'est l'étagère qui est entièrement consacrée aux séries télé. Donc, sauf ça qui va ici, que je remets de suite. Voilà. Donc, ici, donc, c'est une de mes séries favorites, hein, qui est la série Supernatural. Donc, moi, je suis une grande fan, donc j'ai donc tous les coffrets. Et les figurines pop que vous voyez là, c'est une amie qui me les ramène de Londres. Donc voilà, je les ai presque toutes. J'essaye de me limiter en collection pop quand même, parce que vous savez, quand on commence, on n'a pas fini. Et donc j'essaye de me limiter à celles que je préfère. Donc ici, il y a celle de Flash qui va avec la série qui est là. Donc la fameuse nouvelle série dont, qui rejoint à peu près celle-là, mais bon, qui... dont le héros principal est joué par le père ici. Les trois saisons de Arrow, voilà, que je, une série aussi que j'adore. L'intégrale de True Blood, parce que c'est vraiment une série aussi que j'avais beaucoup appréciée. Les quatre saisons de Heroes et les deux premières saisons d'Hannibal, où j'ai mis à côté deux petites biches, parce que voilà, je trouvais que c'était assez approprié avec la série. Donc je descends à l'étage du dessous, donc cette fois nous sommes au rayon livre. Donc en principe ici c'est ma, ce qu'on va appeler ma pile en cours. Donc c'est ma pile à lire, donc vous voyez qu'il y en a pas mal. Donc je suis toujours dans Neil, hein. Je me traîne un peu sur ce bouquin, j'ai commencé début mars, j'en suis presque à la fin. Alors c'est pas qu'il me plaît pas, bien au contraire, mais je manque un peu de temps pour lire et j'ai été un peu malade et fatiguée ces derniers temps, donc c'était pas évident. Donc en gros ici il y a les prochains livres que j'ai à lire. Donc sauf Cory Duen de la série U4 que j'ai déjà lu. Et peut-être que je me garderai les trois volumes pour un... peut-être pour l'été je pense. Je vais attendre un peu car en attendant il y a les... il y a vraiment ces trois livres là que je voudrais lire. Donc qui sont Captive in the Dark, Miss Peregrine et les enfants particuliers dont le volume 2 est déjà sorti. Et il va y avoir prochainement une adaptation de Tim Burton sur ce premier livre. Donc je voudrais vraiment le lire pour pouvoir voir un petit peu comment est le film. Donc voilà, il y a un petit champignon ici. Et donc ici c'est une boule Roxaruki offerte par un ami qui me l'a ramené de Disneyland. Un petit badge d'Alice au Pays des Merveilles, parce que voilà, vous voyez à côté j'ai mis ma petite boîte, donc en fait c'est une boîte à thé, mais là ce n'est pas une boîte à thé, c'est la boîte, vous savez, aux prises pour recharger les appareils. Et juste à côté, j'ai mis le magnifique livre de Benjamin Lacombe, donc de Alice au Pays des Merveilles, qui est une merveille. Ce livre, c'est un trésor. Je l'ai eu pour Noël et franchement, il est magnifique. Donc voilà, je tenais vraiment à l'exposer et à faire un petit coin... voilà, un petit coin Alice au Pays des Merveilles. Donc je l'ai fait juste à côté de mes livres. Donc je descends juste en dessous. Tac, nous y sommes. Et ici, nous avons toute ma collection d'animes. Donc je vais commencer dans l'ordre, hein. Donc au-dessus, ça c'est un puzzle Totoro offert par un ami qui me l'a ramené du Japon. Ça aussi c'est le cadeau d'un ami qui me l'a ramené aussi, un petit Totoro. Donc ici, on commence par les studios Ghibli, en fait. Donc, je ne les ai pas tous, hein, je n'ai gardé que mes préférés. Donc, j'ai souvent deux exemplaires. Donc, voilà, j'aime bien les avoir en deux exemplaires pour certains. Donc, Le Voyage de Chihiro, hein, je pense que vous connaissez. Le Royaume des Chats. Évidemment, Mon Voisin Totoro avec le CD de la bande originale qui va avec. Kiki la Petite Sorcière, qui est aussi un incontournable. La Colline au Coquelicot, que j'ai moins aimé, mais qui est quand même assez, assez jolie. Hein. Il est très très beau visuellement, la musique est magnifique. Ensuite, nous passons chez Kazé. Donc Kazé qui
qui est un magnifique anime que je vous conseille, hein, qui s'appelle Voyage vers Agartha, qui est une magnifique histoire, vraiment très 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 émouvante. Moi j'ai adoré. Mémé Miracle, je pense que beaucoup connaissent, Colorful aussi, La Traversée des Temps également. Ensuite on passe chez Kana avec l'intégrale des Death Note, avec les deux personnages ici, hein. Voilà. Donc là c'est le total de tous les animés plus les deux prolongements, en fait c'est deux animés plus longs, donc ils sont Death Note Relight et Death Note Relight 2, et ici les trois films. Donc les deux là sont très très bons, Death Note 1 et Death Note 2. Pour Hell Change the World, je suis un peu moins convaincue, mais ils se laissent regarder aussi, hein. Donc à côté, en repassant chez Kazé, nous avons un animé qui est assez connu, je pense, par les femmes, qui est original et Jigoku Soju, donc La Fille des Enfers. Donc si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à aller le voir, parce qu'il est vraiment vraiment pas mal. Le concept est vraiment bien trouvé. Il peut être répétitif au bout d'un moment, on va dire quand on en a vu 4, on a vu les autres, mais si on accroche au concept, il est vraiment bien. Voilà, donc ce sont mes goûts, hein. Moi je l'ai beaucoup aimé. Donc ensuite on passe à, oui, du beaucoup plus ancien, parce qu'il s'agit de Sakura, donc là on est chez Clamp, hein, évidemment. Donc l'intégralité des animes et des deux films, hein. Donc pas besoin de trop s'éterniser ici, si vous êtes fan, vous savez. Donc ici c'est un coffret anima, d'un animé qui est beaucoup moins connu, hein, qui s'appelle Inamisawa, donc renommé chez nous Inamisawa, le village maudit. Donc il est un coffret de 2 saisons en fait, donc ceci est la première saison. La deuxième saison n'est jamais sortie en France, je trouve ça un peu dommage parce que la suite valait vraiment le coup. Il y a eu des OAV aussi et ça c'est pas plus mal qu'ils ne soient pas sortis, je vous avoue, parce qu'ils n'ont rien à voir avec l'histoire d'origine. Mais c'est vraiment une histoire, c'est assez violent. Au début c'est un peu compliqué à comprendre, mais une fois qu'on est dedans... C'est vraiment une ambiance, si vous aimez les ambiances un peu lourdes, avec les grosses énigmes policières. Et... Enfin voilà, je vous conseille cet anime donc, qui s'appelle Inamisawa, le village maudit, qui est chez Anima. Ensuite, nous passons à Lane. Je pense que les fans connaissent un peu Lane, hein, parce que c'est un anime assez connu, donc qui est chez Digital. Donc voilà, si vous ne connaissez pas, je vous invite à le découvrir, mais je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. Et là, j'ai mis 4 DVD assez phares pour moi, hein, que j'aime beaucoup, que je regarde beaucoup. Donc, il y a Le Monde Fantastique d'Oz, donc qui est basé évidemment sur Les Magiciens d'Oz. Hein. Vous n'êtes pas sans savoir que Les Magiciens d'Oz n'est qu'un préquel, une partie de toutes les œuvres de l'auteur. Là, nous avons Coraline, donc j'avais lu le livre quand j'étais plus jeune, que j'avais beaucoup aimé, donc j'ai beaucoup aimé aussi le DVD. Le Alice au Pays des Merveilles, la version Tim Burton, et Le Magicien d'Oz. Mais alors, Le Magicien d'Oz, le truc qui date, hein, qui est la version de 1939 avec Judy Garland, mais que j'adore. Pour moi, je l'adore. J'adore ce film. Moi qui ne suis pas une adepte des vieux films, surtout des films qui datent d'avant les années 40, hein, je pensais jamais aimer un film qui date de cette période, et pourtant... Le Magicien d'Oz avec Judy Garland est un film que j'adore beaucoup. D'ailleurs, je l'ai même en DVD et en Blu-ray. Voilà. Donc, l'étage du dessous, on repasse au DVD. Donc là, c'est évidemment l'intégrale des Harry Potter. Donc, j'ai pas acheté le coffret parce qu'en fait, vu que j'ai acheté les DVD au fur et à mesure de leur sortie, je voyais pas trop l'utilité de racheter le coffret. Étant donné que ce sont déjà en plus les DVD... avec les éditions de DVD collector. Et à côté, j'ai mis, je ne sais pas si vous allez bien voir, c'est un petit cristal avec une chouette dedans. Parce que voilà, c'était assez approprié, les chouettes avec les Harry Potter. Et donc à côté, ce sont mes livres bouche-trou, je vais dire. Les livres que je lirai quand j'aurai des petites pauses ou que je voudrais un peu interrompre ma palle. Donc voilà, c'est les livres que je me mets de côté. En dessous, nous passons aux BD. Donc là, je peux peut-être m'éterniser un petit peu sur les BD parce que ce sont deux BD que j'aime beaucoup
Donc ça s'appelle Légendes urbaines. Donc c'est chez Dargaud, je crois. Voilà, c'est chez Dargaud. Et donc voilà, si vous aimez un peu les légendes urbaines, les histoires et tout, ce sont des légendes urbaines en bande dessinée. Ici, nous avons un livre que j'avais acheté pendant mes études de faculté, en fait. Je m'intéressais énormément. Plus ou moins historique en fait, donc vous avez le lézard du roi. Excusez-moi, je me suis un petit peu interrompue parce que le téléphone a sonné pendant que je filmais. C'est toujours comme ça, donc bon, bref, ce n'est pas grave, donc je continue. Donc voilà, donc le livre est classé par chapitre, hein, voilà, donc là vous avez les insectes, les mollusques et les amphibies, et ensuite vous continuez sur les mammifères, les différents animaux. Et ça vous raconte un peu la légende. Et il y a des scientifiques qui se sont approchés en fait aux animaux légendaires avec leur probabilité d'existence ou de non-existence. Donc j'avais trouvé ce livre vraiment bien. Je voulais aussi également vous parler de ce chef d'œuvre. Parce que ça n'a rien à voir, nous passons totalement dans un autre domaine. Donc si vous ne connaissez pas Marie Capriata, qui est une illustratrice qui a un talent mais merveilleux, elle dessine comme personne. Elle a une page Facebook, je vous conseille d'y aller. Elle est vraiment géniale, elle a un coup de crayon qui est magnifique. Donc là c'est la BD de Angstrom et Marie Kiki. Donc nous suivons dans cette BD les aventures évidemment de Angstrom et Marie Kiki. Toujours dans des aventures plus drôles les unes que les autres. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est les petites cartes qu'elle m'avait envoyées. Avec aussi une petite dédicace, évidemment, c'est vrai que tous mes livres sont pratiquement dédicacés. Donc voilà, vous voyez, ce sont des illustrations en couleur, toujours très flashy, très gay, toujours très drôle. Donc franchement, je vous conseille d'aller le voir, au moins d'aller voir sa page, et vous verrez qu'elle fait d'autres illustrations qui sont magnifiques. Donc voilà, si vous aimez un petit peu son style, je vous conseille vraiment d'aller voir sa page. Voilà, ça je le remettrai par la suite. Hein. Ici, alors pareil, là, c'est un autre livre sur le magicien d'Oz. Donc vous n'êtes pas sans savoir que L. Frank Baum n'a pas écrit que le magicien d'Oz. Hein. Le magicien d'Oz n'est qu'une partie de tout un ensemble de ses œuvres, donc qui s'appelle le cycle d'Oz. Donc pour l'instant ici, il y a seulement le premier volume qui est sorti. Donc j'attends encore le deuxième volume, mais là nous avons vraiment toutes les aventures qui tourne autour du magicien d'Oz et qui est franchement un livre qui est aussi magnifique. Voilà, donc je vais vous remettre. Donc voilà, on avait fait on a fait à peu près l'ensemble de ma nouvelle bibliothèque. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez, si vous avez des choses. Que j'ai aussi. S'il y a des animés, des livres, des séries que vous aimez aussi par-dessus tout comme moi, voilà, au point d'acheter les DVD et d'avoir les pop. Et je vais vous faire un petit glissement sur le prochain unboxing de mon jeu vidéo, prochain unboxing, qui sera sur Ta-da ! Uncharted 4 que j'attends avec beaucoup, beaucoup d'impatience, qui a été repoussé en mai. Je sais pas si